Au commencement, il y a la honte. Elle plane à l'intérieur de toi, insaisissable et délétère. Un cancer, une méduse qui t'habite, te constitue. L'idée du livre, c'est vraiment de tendre un miroir au lecteur, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui ou hier d'ailleurs, de toute façon, à la base, déjà, on a un père et une mère, on est tous confrontés à des conflits identitaires. En général, les belles familles s'entendent pas, ça c'est un truc de base. Donc on est tous, au départ, on est déjà pris dans un champ qui est un champ de conflit. Ça, c'est je pense, ce qui arrive à chaque personne. De par mon expérience, bon, ayant un père mauritanien et une mère française, forcément, c'était beaucoup plus visible pour moi. Voilà, je m'appelle Karim, j'ai plutôt l'air arabe, j'ai grandi dans la famille blanche de ma mère, donc de toute façon j'étais confronté toujours à cette question de ne pas être à la place où on m'attendait. Mais en même temps, je pense que ça va bien au-delà de ma personne. Il y a énormément de gens, et à mon avis, même la plupart des gens ne rentrent pas dans les cases qu'on leur assigne, aussi pour des questions de genre ou d'opinion politique, bon, savoir qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'être une femme, ce qu'on attend de soi par rapport à ça. Bon, je parle aussi de ça dans Appartenir. Moi, j'ai jamais aimé jouer au foot, j'étais pas intéressé par les bagnoles ou la bagarre spécialement, et pourtant il fallait que j'arrive à me construire comme garçon. Donc voilà, ça va bien au-delà des questions en fait d'identité ethnique ou religieuse qui sont aujourd'hui les plus évidentes. Mais disons que je suis parti de là, de ce qui était le plus évident, et le point aussi, l'endroit auquel on peut m'attendre, de par mon expérience, pour essayer de déconstruire en gros toutes les catégories identitaires dans lesquelles on peut se retrouver enfermé. Pour atteindre une dimension universelle et pour pouvoir partager ce questionnement, il fallait que j'explique très précisément de quel endroit je parlais. Parce que je pense que c'est quand on définit réellement bien sa place qu'on peut être compris par les autres et que l'autre lecteur peut aussi se positionner. Parce qu'il sait où moi je suis, donc d'une certaine manière par rapport à ça, il va savoir en quoi ça lui parle à lui précisément ou pas. En tout cas, il y a une espèce de contrat, je dirais, avec le lecteur qui est passé à ce moment-là et qui permet de rendre ce miroir efficient, en tout cas si le lecteur est intéressé par le partage de cette expérience et de la sienne. Et je pense que ça marche parce qu'en fait, j'ai fait souvent des lectures d'extraits du texte ou bien quand j'ai fait aussi voilà, la soirée de lancement du livre et tout ça. Et tous les gens m'ont un peu parlé du livre, mais assez rapidement m'ont parlé d'eux. Et à chaque fois, les gens me racontent une histoire à eux, en fait. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui fonctionne aussi dans le procédé d'écriture, qui est effectivement avec une adresse à la fois à moi et au lecteur. Parce que quand je dis tu, tout le début du livre, en fait, j'utilise la deuxième personne du singulier. C'est une manière, effectivement, à la fois de me parler à moi et de faire ressurgir des différents éléments de mon passé, différentes choses que j'ai vécues, mais en fait, évidemment, le lecteur, le « tu » s'adresse à lui, bon, comme le « vous » de la modification de Butor, mais d'une manière, je pense, plus incisive. Et ce qui est au cœur de l'expérience d'écriture, pour moi, de ce livre, c'est d'aller vraiment chercher au cœur du rapport fondamental pour moi entre l'identité et le crime. Et donc bon, voilà, pour moi ça passe notamment par voyage dans l'Albanie communiste que j'ai fait quand j'étais enfant avec ma mère, où je me suis retrouvé de manière assez étrange par un concours de circonstances en contact, sans le savoir à l'époque bien sûr, avec des gens qui étaient en fait des criminels de masse, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'épuration dans ce pays. Et en réfléchissant plus tard, donc là c'était le versant plutôt identité politique, mais en fait bon, toutes les identités marchent pour moi de la même manière. Voilà, j'ai creusé ce rapport entre la violence, le crime et l'identité. Le fait d'appartenir à un groupe, c'est toujours d'une manière ou d'une autre fondé, ce que disait Freud aussi, hein, sur un crime commis réellement en commun, éventuellement par des ascendants, ou en tout cas un crime qu'on pourrait commettre. C'est-à-dire qu'on sait que si on rentre dans une zone de conflit, eh ben l'autre par essence, celui qui est assigné à la place de l'autre, on peut lui faire du mal. Et je pense que j'ai toujours été sensible à ça,
que j'ai toujours senti que d'une certaine manière, il pouvait y avoir peut-être un danger à être ce que j'étais dans la France dans laquelle je grandissais, qui était aussi la France des années 70, assez violente, où il y avait des ratonnades, même si ça ne me concernait pas directement, c'était pas dans les quartiers où moi j'étais. Il y avait toujours quand même quelque chose qui planait comme ça, de l'ordre d'un danger, de l'ordre d'une violence potentielle dont finalement mon environnement familial, quelque part, et le fait que je vivais dans un quartier plutôt bourgeois me protégeait. Pour moi, écrire ce livre et donc le lire du coup pour le lecteur, c'est vrai que c'est aller regarder ce qu'on n'a pas envie forcément de regarder habituellement, c'est-à-dire regarder là où l'identité est liée à la violence, alors qu'en général l'identité c'est quelque chose de rassurant plutôt, c'est quelque chose qui nous construit, sur lequel on se construit. Mais en même temps, pour moi, je pense que ça peut avoir un effet aussi assez libérateur, parce qu'en même temps, ces identités qui apparemment nous protègent, ou en tout cas nous donne un peu un sens de qui on est, elle nous enferme aussi, elle nous contraignent, puisqu'on n'est jamais exactement ce qu'il faudrait. On n'est jamais exactement, on rentre jamais exactement dans le cadre qui nous est assigné. Et moi, je pense que pour moi, l'expérience de l'écriture et donc de la lecture de N'appartenir, c'est de voir où est-ce qu'on veut se situer, en fait. C'est-à-dire d'être conscient de ce que c'est qu'une identité, d'être conscient que c'est construit. Bon, ces dernières années, on a beaucoup parlé des questions du genre et il y a vraiment beaucoup visiblement, de réticence dans une partie de la population à admettre que le genre, c'est quelque chose de construit, comme si ça allait remettre en cause ce qu'on est biologiquement. Bon, je donne cet exemple parce que finalement, c'est peut-être le plus. On y est tous confrontés. Mais en fait, accepter que c'est construit, c'est pas non plus renoncer à être un homme ou une femme. C'est juste savoir. En quoi, oui, il y a quelque chose de biologique, mais en quoi, malgré tout, il y a toute une construction sociale qui fait qu'on est un homme ou une femme. Et c'est pareil pour le fait d'être blanc, arabe, juif, noir. Il y a une partie qui est tangible. Alors bon, après, entre certaines identités, c'est pas très très tangible, entre blanc et juif, hein, comme disait, je crois que c'était Yankelevitch, ou je sais plus, qui parlait de l'antisémitisme comme la haine de l'imperceptiblement autre, parce qu'effectivement, quand la différence, elle est ténue, on n'arrive plus à la voir, et ça fait encore plus peur. Voilà, je pense que pour moi, c'est important de se dire, oui, l'identité est une construction. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement cesser d'y croire, parce que personne ne peut être complètement flottant et sans aucune identité. Ça veut juste dire qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on accepte de cette construction, à quoi on accepte de croire. Drôle d'état, le mien depuis toujours. N'être inclus dans rien, n'habiter aucune catégorie solidement établie.